Et bonjour à tous les amis, ici Réflexion, votre unique compagnie pour du Bully Scholarship Edition. Un peu dégoûté puisque c'est en fait la deuxième fois que je recommence à tourner. Il y a eu un petit plantage qui est sur le bouton du milieu de ma manette Xbox. Et cela m'a ramené au bureau. Et évidemment, Bully étant un vieux jeu assez merdique qui déconne pas mal sur mon PC. Et bien il s'avère qu'avec ce retour bureau, il était impossible de revenir au jeu, donc je suis obligé encore une fois de tout recommencer. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ne me prenez pas non plus en pitié, je n'avais tourné que 5 petites minutes du truc, donc je sais exactement c'est quel cours qui va nous attendre. Je sais aussi que la récompense de ce cours va beaucoup nous intéresser pour aller faire la mission suivante. Chargement. Ces temps de chargement qui sont absolument magnifiques quand même. Bah comment ça, absentéisme, vous savez, ça vient seulement de sonner, je dois déjà être en classe, ça avait normal. Et le cours de biologie numéro 4, nous avons bientôt fini la biologie d'ailleurs, vu qu'il y a 5 cours comme vous le savez. Même la deuxième fois ça me fait toujours autant rire, du formaldéhyde. Le pauvre petit bonhomme. Ah. Alors ceux qui ont mangé, je vous conseille de passer ce moment absolument dégueulasse. Je vous assure que même moi, j'en ai l'estomac qui me retourne alors que je suis quand même... Voilà quoi, c'est réflexion quand même. Ah, je vais devoir le refaire une deuxième fois moi. Vous avez encore de la chance, vous devez le voir qu'une seule fois. Moi je vais devoir le faire deux fois, sachant que je viens de manger juste avant, c'est pas très joli. Je déteste le cours de bio. Allez, on va découper gentiment notre petit piaf. Et ouvrons gentiment son cœur. Ah, c'est absolument dégueulasse. Hop, attachons ces petites pommettes que nous venons d'ouvrir. Regardez, il nous sourit, le petit oiseau. Il est très heureux de ce qu'on fait. Voilà, j'y suis sur ton cœur. En même temps, c'était pas trop dur à trouver, le cœur, vous savez. On va dire qu'il n'est pas extrêmement différent du nôtre, voilà, tout simplement. Et voilà, je te donne son cœur. Cadeau. Utilisez la loupe pour trouver le foie, pas trop dur, il y a que ça. Voilà, récupérons gentiment ce machin, on va le découper tranquillement. Âme sensible, s'abstenir, nous sommes occupés de faire une dissection. Découpage d'organes, j'adore ça. Allez, viens ici et mets-toi là. En même temps, tu me fais découper que des organes, c'est normal, ça pue, mon ami. Hein. Ton piaf, je sais pas depuis quand il est mort, mais... Tiens, un petit cadeau. Tu veux celui-là aussi? Bah tiens. Et c'est une réussite complète du cours de biologie. Je crois que c'est le seul que je n'ai jamais raté, d'ailleurs. C'est bizarre. Oh, découpage d'organes, c'est génial. Ah, j'ai mal. Allez, on va aller voir ce qu'on nous propose comme tenue d'extraterrestre. J'ai vraiment envie de voir. Ça pourrait être très intéressant et ça va être notre tenue pour cet épisode, tout simplement. Hop là, donc là, je suis revenu au moment où ça avait planté. Je vais faire gaffe à pas cliquer sur le bouton du milieu. Je ne recommencerai pas une troisième fois. Je vous dis, si je me plante, eh ben vous n'aurez que ça comme épisode, et puis c'est tout. Allez, voyons voir ce qu'on nous propose comme tenue. Je veux celle d'extraterrestre. Oh, absolument génial, matez-moi ça. Maman Screen. Voilà, génial. Moi, je le prendrai certainement plus tard. Bon, du coup, on va aller faire la mission comme ça. Ça pourrait être pas mal. Oh my god, cette tenue, quoi. Ta gueule, je suis un extraterrestre. Ne... Tu ne pouvais pas m'avoir, mon ami. Bon, apparemment, la mission est dans la ville. Je vais quand même vérifier sur la carte avant. Oui, elle est dans la ville, donc nous allons rapidement nous y rendre. Non, je ne me stopperai pas, mon ami. Un extraterrestre en skateboard ne s'arrête pas à l'ordre d'un humain. Ah, j'ai le droit aux flics aussi, mais c'est génial. Ça va, je vais avoir combien de gens qui me recherchent juste parce que j'ai frappé quelqu'un. C'est peut-être parce que j'ai une tenue d'extraterrestre aussi. Allez, on va essayer rapidement de passer par là.
Je ne suis pas Bully, les amis, je suis un extraterrestre, donc arrêtez d'essayer de m'arrêter. Ah, j'ai mal au ventre. Bon, allons chercher rapidement ce foutu prix que j'étais chargé de venir chercher avant. Et je vous laisse avec la cinématique. Yeah, you want to get a C-785. Then dismantle it and recouple with a 767 in titanium. Very expensive, but it will make your machine fly. That's what the pros do. Really? I was going to get the 976 because I thought it would make me look important amongst my peer group. A 976? What are you, a girl? Oh, here's the kid who won the race. Hey. You came for your trophy, huh? Yep. Here she is. Beautiful. Molded plastic, covered in aluminum wrap, with your name misspelled on it. Excellent. Great. Look at this. A bunch of guys whose career aspirations are to work in stores. Fabulous. I love it when people know their place in life. Well, your place in life is in my toilet, you trust fund turd. Do you even have flushing toilets in your trailer? I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it. Come on. Nice trophy. Hey, let me see. Come on. Hey, give me that back. Alors là, ça va pas se passer comme ça. Je vais juste lui péter sa tronche. Et tais-toi, t'es moche. Et alors, je vais rapidement récupérer ce trophée. Ça va très mal se passer, mon ami. Et il se cache dans ma maison en plus, vous savez. Allez, Ricky, pète-leur la gueule. D'accord, ils sont rentrés à l'intérieur. Toi, par terre. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Boum, KO. Eh ben, tu l'as fait tomber, mais t'es complètement con. Quoi, vous espérez vraiment pouvoir vous battre? À ton tour. Oh non, pas les œufs, c'est dégueulasse. Ah, je me suis fait attraper par lui, là. C'est dégueulasse. Allez, complètement KO. Viens ici, toi, rends-moi ça. Merci. Et voilà, j'ai récupéré mon trophée, j'en ai mis deux KO, c'est parfait, je crois qu'ils n'oseront plus jamais me faire ça. Bien, récupérons ce coca, récupérons aussi ceci, capacité maximale, d'accord. Ta gueule et tombe, espèce de sale gosse de riche. Bon, apparemment j'ai cours, donc je vais essayer de m'y rendre, ça serait pas mal. Il suffit de se faire choper par un flic, ça va aller assez vite. J'espère que je vais pouvoir rejoindre. Attendez, regardez, hop, il va me choper, ça va être rapide. Allez, dépêche-toi, ramène-moi, j'ai pas que ça à foutre. Voilà, normalement là, il va me conduire directement à l'école, ça va être peinard. J'espère qu'il me conduit directement en classe, ça serait plus rapide. Non, il me conduit juste ici. Tais-toi, sale truc! Bon, maintenant, il suffit de se faire choper par ce mec-là, et il va directement nous amener en cours. Comment gagner du temps, n'est-ce pas? Enfin, gagner du temps, j'aurais été plus vite d'y aller à pied, apparemment. Voilà, j'ai été chopé, ça m'amène en cours, et c'est le cours de musique. Et merde, putain, j'aurais mieux fait de parvenir, en fait. Quoique, je crois que c'était assez simple, le cours de musique, non? Je sais plus, on va voir ça tout de suite. Now then, is everyone here? Excellent. Let's proceed. Mais c'est quoi ce prof? Je me souviens pas l'avoir eu. Ah ouais, je me souviens, c'est easy, les cours de musique. Oh non, c'est de la merde. Non, mais vous êtes sérieux, là? Je vais vraiment devoir faire ça, là. Bon, je vous laisse, hein. Moi, je vais dormir, hein. Allez, on y va tranquillement et gaiement. Ce cours est absolument intéressant. Franchement, on n'a pas l'impression de s'ennuyer, je dois l'avouer. Oh, mais mon Dieu, quoi. Ils étaient obligés de mettre un cours aussi nul ?
Je suis sûr que vous aussi vous trouvez ça nul, les amis. En plus, fait par un extraterrestre, c'est trop énorme. Et c'est à 90% alors que j'ai fait que me foirer. Bah merci, avec mon costume d'extraterrestre, fallait que j'aie le rythme de toute façon. Bon, il reste combien de temps? Il reste 9 minutes, j'ai fait 2 cours, une mission, apparemment il y a une mission par ici. Ok, elle est là, je vais aller voir, je vais aller la faire, tiens, parce que pour une fois j'ai le temps de toute façon, donc si on dépasse un peu c'est pas trop grave. Tais-toi, je te connais même pas! Allez, on sort rapidement par ici, je vais essayer de shipper un vélo, ça va plus vite que le skateboard quand même. Ça pourrait être pas mal. Hop, et on descend tranquillement les marches à skateboard, c'est hyper dangereux, mais je le fais, je m'en fous. Hop là, j'espère qu'il y a un vélo qui va passer ici, histoire que je fasse un GTA style. Oh oui! Ah, il m'écrase, mais c'est une blague! GTA style! Et au revoir mon ami, c'était du GTA style pur et simple. Retournons du coup rapidement au magasin pour voir ce qu'il nous propose. Je suppose que c'est le magasin où on devait aller, ouais c'est ça. Allez, allons voir ce que cette caisse nous propose, ça pourrait être très intéressant, mais bon. Non, elle est pas là, elle est ici. La maison de Tad, et ben c'est parti, je vous laisse encore une fois avec cette cinématique. I'm sorry. Think I'm dumb? Who's dumb now? I'm dumb. Real dumb. Hey, Ed Kid, help me out, please. Easy, Russell. Calm down. Sit. Good boy. Thank you. Jeez, that dumb kid's really strong. Dumb? Hey, be good. No. Be good. Not you, Einstein, not you. So, how did everything work out with those eggs? Not like I was hoping. Never trust a rich kid. Too bad. Was it that jerk, Tad? You know, his parents are at a party at my boss's house right now. If he wanted a revenge thing, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah, yes, you got it. Thanks. Come on, Russell. We've got a house call to make. Quoi? Je vais bosser avec Russell? Mais c'est magnifique. Mais il m'a piqué mon vélo. Ah non, c'est bon, il est là. J'ai eu peur pendant un moment, j'ai cru que Russell avait piqué mon vélo. Et donc on va aller avec Russell, c'est magnifique. On va avoir un gros tas de muscles avec nous. Ça va être génial, ça va être une fête absolument gâchée à notre façon. En tout cas, cet épisode va être très intéressant puisqu'on aura fait 2 missions. Donc ça va être assez intéressant pour vous. Vas-y Russell, on va vite à leur foutue fête, on va gâcher... On va la gâcher tout simplement, j'allais dire on va gâcher, mon dieu, mais mon français s'améliore de jour en jour, les amis. Allez Russell, allons leur péter la tronche. Jeter des œufs à travers toutes les fenêtres, oh ça peut être rigolo, ouais. Alors, les œufs, voilà. Hop, et ensuite, il faut faire RT pour lancer l'œuf. Un peu plus haut. Et voilà, et 2-1. Vas-y, Russell, pète-leur la tronche, moi je m'occupe des fenêtres. Excusez-moi si vous avez entendu, c'était pas vraiment fait exprès. Oh, tu me cherches, toi, tu veux te battre? Boum, KO, voilà. Tu m'embêtes pas, mon ami. Et de 1. Et de 2. Magnifique. Allez, Russell, pète leur tronche. C'est ça qui est génial. J'adore Russell, je l'adore. Eh ben, j'espère qu'il y en a dans le canapé. C'est tout ce que j'attendais, mon ami. Hop là, on va gentiment placer le truc ici, et hop là! Et plus qu'un ici, la dernière fenêtre, et voilà! Et c'est fait, nous avons pris notre revanche, les amis! Mais y a pas de souci, moi je sors de ce jardin comme je veux. Et voilà! C'est un succès, les amis.
Success! Et nous avons donc réussi à faire deux missions et deux cours lors de cet épisode, tout simplement. Apparemment, nous avons une quête là et une quête à l'école. Tiens, une quête à l'école, c'est bizarre. Eh ben, vous savez plus ou moins ce qu'on fera au prochain épisode. Car il reste plus que 4 minutes, donc je suis pas sûr du tout que nous ayons le temps. Bon, ça tombe, c'est des quêtes qui se finissent en 5 minutes, hein, mais j'en sais absolument rien. Donc, en attendant, je ne sais pas trop ce qu'on peut aller faire. Je crois qu'on va simplement retourner à l'école et qu'on va arrêter l'épisode là, les amis. De toute façon, on peut vraiment plus rien faire, là. Alors, allons-y tranquillement. J'aurais pu peut-être vous faire visiter quelques trucs, ça aurait été pas mal, mais je sais vraiment pas quoi. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a un élastique à récupérer devant l'école et que j'ai toujours pas récupéré, donc je vais en profiter pour aller le prendre. Allez, descends de ce foutu vélo. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je vais un petit peu explorer, hein, vu qu'on a le temps, les amis. De toute façon, je pense que vous êtes pas contre le fait que je rallonge un petit peu l'épisode. Apparemment, c'est juste un chemin qui amène directement par ici. D'accord. Bon, bah, c'est un chemin comme un autre, hein. Tais-toi! Non! Et merde, chopé par les flics à la seconde même où je frappe l'adulte, c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Donnez-moi une foutue tronçonneuse! Ouais, ça m'amuserait une tronçonneuse. Bon, du coup, maintenant nous devons gentiment en rentrer. On va rentrer à pied, savez quoi? Oh non, allez, GTA Style! Et hop là, c'est du vol de vélo absolument magnifique. Un GTA Style. Yeah. Et je dis GTA Style tout simplement parce que ce jeu me rappelle beaucoup par les graphismes GTA San Andreas. Même si GTA San Andreas était encore plus moche que ça, il me semble. Enfin, moche niveau graphisme. Après, le jeu est absolument légendaire. Ça, je pourrais malheureusement pas le contrer. Vu que c'est le seul GTA au monde que j'ai aimé, donc autant le dire, hein. Non, je t'aiderai absolument pas, mon ami. Boum! Voilà! Ça t'apprendra à demander de l'aide à Jimmy. Il t'explose la tronche littéralement quand tu lui demandes. Bon! Alors, il reste 2 minutes, donc notre ami l'extraterrestre va faire un petit somme et ensuite va vous dire au revoir. Ouais, j'ai vraiment malheureusement pas le temps de faire la suite, ça m'embête de faire des épisodes aussi courts, mais bon, si j'ai pas le temps, tant pis, et puis ça arrange ceux qui aiment les épisodes courts. Et ben voilà les amis, c'était Réflexion, votre unique compagnie pour Bully Scholarship Edition. N'hésite pas à laisser un like si t'as aimé l'épisode, ça peut beaucoup m'aider, ou même à le partager sur ton réseau social préféré. C'était Réflexion, ciao, bye bye.